家就是发言，我不要讲话。享受一下，嘿，嘿，就一波路，五啦啦。咕咕，我是法国安娜。今天我超级开心，因为我在圆圆的 studio， 耶！而且我用他的相机，哇，超漂亮的。我应该就是发言，我不要讲话。享受一下。哇，超高级的！哇，有 studio 其实蛮方便，因为全部都已经安排好。对啊。所以很可以很马上录音。可是我家不能有 studio， 我女儿就会、就会自己一开，然后开始。我是法国安娜，啦啦啦啦。好，今天不是那个 topic。我今天很开心，因为我跟圆圆拍一个影片，是我们的第一个影片。嗯，没错。对，然后你的频道也会有一集是我们一起拍的影片。对。所以我放这边。今天的 topic 我用法文。哦。我想试看看，因为我们是两个法国人，为什么要讲中文呢？Alors， 一定会有一些中文会跑出来，因为没办法。今天的 topic 是法国男生有没有吃香 ？OK， 所以随便ça comme sujet。Cool。Alors, ben, première question, est-ce que tu penses que les hommes français sont 吃香？吃香 comment on dit？ Voilà， 这不不会讲法文。Populaire， oui， populaire。Populaire。Populaire mais dans le bon sens。Populaire mais dans le bon sens。Pas péjoratif。Bah après, je pense que il y a de tout, il y a de tout forcément. C'est vrai que la France en général, ça a une certaine image. Parce que moi, avant de venir à Taïwan, je pensais que le monde entier nous détestait. Ok. J'avais cette image-là parce que on est français, on n'est pas, on se plaint, on est sale, on mange des trucs bizarres qui sentent. qui sentent fort. Voilà. Et je pensais qu'on était mal vu. Et quand je suis venue à Taïwan, ça m'a surpris. Je pensais pas qu'on était autant aimé. Ça m'a étonné. Non, c'est vrai, c'est vrai. La France a aussi un côté romantique, Paris, la Tour Eiffel, tout ça. Ouais, mais la France, il n'y a pas que à Paris. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je l'ai vu que deux fois, Paris, Illigny, je l'ai vu plus de fois. Waouh, ok. deux fois, je l'ai vu. L'avion, ça compte? Oui. Allez, deux fois et demi. deux fois et demi. Putain, qu'est-ce que je veux dire? Putain, deux fois seulement, c'est deux fois. Et je suis montée... Non, ouais, deux fois. Bon... Tu as fait 9 ans que tu es à Taïwan. Mm. Je pense que tu étais célibataire. Oui. Est-ce que tu as ressenti que quand tu disais « Ah, tu es français », ça plaisait plus que si tu disais que tu étais américain ou australien ou anglais? Je ne sais pas trop, en fait. Je pense que Taïwan n'a pas beaucoup de touristes. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui vivent à Taïwan. En comparaison de certains pays, peut-être comme, je sais pas, le Japon, Il y a beaucoup plus d'étrangers dans la population, il me semble. Du coup, c'est vrai que les Taïwanais, souvent, voir un étranger, un occidental, ils sont peut-être un peu surpris. Dans le sens positif. Genre, oh, c'est cool, tu viens dans notre pays. Mais que je sois français, je ne sais pas si c'est plus mieux que si j'étais américain. T'as pas ressenti qu'il y avait un plus Donc, il y a un truc qui est différent. C'est que quand tu dis t'es français... La plupart des Taïwanais répondent « Oh, bonjour !» Oui, bonjour. Mais si t'es suédois comme Lucas, ils disent « Oh !» En calien. Comment on dit bonjour en suédois? Hey. Hey. H-E-J, mais oh, ça se prononce hey. Parce que hey, 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 hey. Oh, hey, ok. La prochaine fois, Lucas, hey. On parlait, bon, normalement, c'était le sujet sur les hommes, mais ici, je me fais jamais draguer. Ok. Je pense que... Je pense pas que je suis trop vilaine, mais je pense mais que... Je pense que c'est... Il y a un côté un peu peur de la femme française, je pense. Oh, parce que okay. Peut-être qu'on nous voit trop indépendante, et donc ça fait un peu peur parce que... J'ai remarqué quand déjà, les hommes taïwanais aiment beaucoup s'occuper de se sentir important. Donc si c'est une femme trop indépendante, ça fait peur. L'indépendance, c'est vrai que c'est pas forcément toujours, ça fait pas forcément gagner des points. Voilà. Et ça, je l'ai compris trop tard. J'ai compris qu'il fallait moi que je fasse pas trop mon indépendante parce que maintenant mon mari, il me fait rien. Je fais okay. tout. J'aurais dû faire parfois. J'aurais fait. Oh, mon pauvre. Oh, tai zong là, on met pas fan là, oh tai pen. Je pense que c'est mieux quelqu'un qui soit indépendant, une femme indépendante. Oui, en France, il faut qu'on soit indépendant, sinon on n'attirera pas des bons hommes. Si on n'est pas indépendant, on aura des méchants.
C'est vrai. C'est marrant comment tu dis, mais c'est vrai. À Taïwan, non, à Taïwan, si on est même, si on n'est pas trop indépendante, on pourra trouver des hommes qui s'occupent de nous et qui sont gentils. Mmh. Bon, forcément, il y a aussi des cons partout, mais... Ouais. On a dérivé, là, non? Non, je... Comme dans la série... Le Lily in Paris. Non, c'est Lily, ouais, pas Lily. Emily. Emily in Paris. Les hommes français sont un peu énigmatiques. Ouais. Énigmatiques. Énigmatiques, ouais. Par contre, comment on dit en chinois? En anglais, comment on dit? Énigmatique. Like mysterious? Mysterious, yeah. So, Mimi. Et un autre truc, c'est peut-être qu'on a un humour assez spécial en France aussi. Oh. Un humour qui n'est pas forcément... Oui, tout le monde ne comprend pas tout le temps. Oui. Après, donc, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai. C'est quoi, du sarcasme ou oui. Là, tu te dis, ah ben, tu fais quelque chose, ah ben c'est bien, oui. C'est bien, bravo. Bravo, c'est bien. Alors que c'est tout le contraire. Oui. On m'a souvent demandé, parce que bon, je suis mariée avec un Taïwanais. Oui, si vous ne saviez pas, non, tout le monde le sait. Mais, et on m'a toujours on m'a souvent demandé, mais pourquoi hein, parce qu'ils ont souvent, il y a des femmes qui ont l'image du français romantique, comme mon père qui fait la vaisselle. Bon, ça, c'est vrai, par contre. Mais c'est que mon père et mon grand-père font aussi la vaisselle. Voilà, non, mais ça, par contre, ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Les hommes en France font plus le ménage, participent plus à la vie à la maison que les hommes taïwanais. Mmh. Mais je pense que ça, c'est parce qu'en France, on est indépendant plus vite. Ouais. À Taïwan, souvent, parce que c'est cher ou c'est petit, il n'y a pas besoin de déménager, mais on reste chez papa-maman. Et chez papa-maman, ben, il n'y a pas besoin de faire la vaisselle, pas besoin de faire la lessive, pas besoin de passer l'aspirateur. Donc, on ne prend pas forcément les bonnes habitudes. Voilà. Mais à quel âge tu es partie de chez toi? 16 ans et demi, ouais. 17 ans. Voilà, aux 18 ans, moi. J'allais à la fac, en chambre universitaire, et puis à partir de là, t'es toujours tout seul, enfin, tu t'occupes de toi. Donc tu sais faire à manger. Ouais, ouais, bah... Bon, je fais pas des trucs très compliqués, mais ouais, je sais faire tout ça. Donc je pense que c'est vraiment la différence avec Taïwan. Peut-être un autre truc que les Français ont, qui les sépare un peu du reste, c'est le fait qu'on n'a pas trop peur de parler quand il y a un truc qui va pas. Yuan, c'est que pas sur tout là. C'est que ce Fagolin, si Huan Bao Yuan Ba. Oui. Et je sais, genre, en plus, souvent, avec Lucas, on voit, il se passe quelque chose. Et puis, moi, je suis plus à avoir directement l'esprit protester ou pointer du doigt le truc ou qui le va dire, pas, oui. Le dire. Alors que lui, ça serait peut-être plus laisser passer, tu vois, parce que c'est pas si important que ça, finalement. Il y a pas de mieux ou de moins bien, mais c'est vrai que c'est des traits qu'on a dans notre culture. À chaque fois qu'on va dans des restaurants, et puis à chaque fois, il nous parle en anglais. Je parle en chinois, on me répond en anglais. Il y a beaucoup de gens qui diraient rien, ils laisseraient passer, c'est bon. Ouais. Mais moi, souvent, je vais le dire. Je vais dire, non, mais là, je te parle en chinois, pourquoi tu me réponds en anglais? Alors, je ne dis pas méchamment, français, mais... C'est là, il ne veut pas parler anglais. C'est peut-être aussi parce qu'on n'est pas natif d'un pays qui parle anglais, mais... Je pense que ça, c'est parce qu'en France, c'est très, très mal vu. Si on parle en anglais à un étranger, parfois, on va se prendre une claque dans la tête parce que... Il est peut-être aussi français que nous, donc on peut pas... C'est très mal vu, ça. Ouais, donc ouais. On va parler en français. Il faut pas décider soi-même que... Voilà. Genre, je regarde sa tête, je décide qu'il a pas l'air français. Voilà. Et en plus, s'il parle mal français, c'est encore mal vu de basculer sur l'anglais. Quoi, en France. Ouais. Moi, je me verrais pas si la personne en face essaie de parler en français et que je vois qu'elle a du mal, je vais pas lui parler en anglais. J'attends de voir si elle bascule en anglais. Mais jamais je ferai le premier pas. Parce que je vais me dire... C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il nous rabaisse, alors qu'il veut nous aider. Je ne sais pas si c'est dans le topic, ça n'a plus. Non, pas on dérape. Voilà. Ouais. Donc voilà. Mais ne pas me demander pourquoi je n'ai pas choisi le français. Je pense que le mot de la fin, c'est... C'est pas parce que tu viens d'un pays que t'es forcément moulé comme ci ou comme ah ça. Oui. Il y a des gens super en France, des gens super à Taïwan, des gens super partout dans le monde au final. Ah oui. Ha, 我超开心的来这边拍片呢，我要再来好不好？好，没问题。你那个studio超加分的，感觉我的 YouTube 正在变的，哇，很高级。今天的一片啊，谢谢圆圆的 ，merci。没问题，谢谢你。好，今天的一片到这里哦。如果你们喜欢，可以按赞留言。记得订阅我的频道，阿皮达。Ciao.
favorite flowers. I know it's kind of different, but I don't think that it matters. I'll tell you every day.